Donc, salut tout le monde, on se retrouve sur mon PC. Donc, voilà le fichier qu'il faut télécharger. C'est celui-là, hein. J'ai mis le lien dans la description. Normalement, excusez-moi, c'est un fichier point rare. Mais là, je l'ai déjà extrait. Donc, on peut bien commencer par mettre la clé USB dans votre port USB. Donc, je vais le faire maintenant. Hein. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, vous allez ouvrir le fichier que vous avez téléchargé. Donc voilà, vous l'ouvrez. Donc, vous ouvrez Red AX32 Black Ops Game Save Editor. Donc, vous ouvrez. Hein. Donc voilà. Vous allez dans File. Open folder. Voilà. Ensuite, ordinateur. Donc, vous allez chercher votre USB. PS3. Ensuite, save data. Et ensuite, vous cherchez votre sauvegarde de Black Ops. Donc moi, c'est 1.031. Blaze 1.031. Ou ça sera peut-être autre chose, ou ça sera différent. Donc bref, vous l'ouvrez. Oui, l'image, c'est pas pareil que la vôtre. Moi, je l'ai un peu modifié. Donc voilà. Ensuite, vous allez dans Game Save Editing. Donc voilà, quand on arrivera sur ce tableau, vous allez retourner dans le fichier que vous avez téléchargé, vous ouvrez code. Donc excusez-moi, normalement c'est un fichier émotext, là je sais pas pourquoi il s'est pas mis. Bref, on va l'ouvrir. Voilà, on va mettre ça de côté et ça aussi. Voilà. Donc, vous allez cliquer sur GPAD0-MP. Voilà. Et vous supprimez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, vous allez prendre tout ce qu'il y a dans le code. Vous le copiez. Et vous allez faire Ctrl V pour le coller sur Black Ops Game Save Editor dans le GPAD0-MP. CTRLV, voilà. Donc voilà, vous pouvez même modifier vos classes là-dedans. Là, elles sont colorées, mais avec mon nom. Donc si vous voulez changer, vous pouvez, c'est juste ici. Donc voilà. Alors ensuite, vous allez dans File. Attendez, excusez-moi. Voilà. Bref, vous allez dans Save, dans File, excusez-moi, et vous allez dans Save Asset, voilà, pour enregistrer. Et après, vous allez dans le petit onglet qui est en dessous, c'est GPAD0CM. Donc là-dedans, vous supprimez tout, vraiment tout. Voilà, il faut qu'il n'y ait plus rien, et vous faites la même chose, File, Save Asset. Et là, vous faites File encore et Save All pour sauvegarder tout. Là, ça me met erreur. Donc, vous le fermez. Vous le rouvrez. Voilà. Et vous faites la même démarche. File, ordinateur, USB, PS3, save data, on blaze. Voilà, on l'ouvre encore une fois. Et là, vous refaites la même chose. Vous supprimez tout. Vous reprenez tous les codes, CTRLV, File, Save Asset, bam, et là on supprime tout dans le CM aussi. File, Save Asset, et maintenant on fait Save All. Voilà, maintenant la sauvegarde a été bien sauvegardée. Donc, vous faites OK, vous pouvez fermer tout. Voilà.
et ce fichier, vous pouvez le mettre à la poubelle ou le garder pour faire d'autres lobbies. Donc, voilà, ça sera tout sur le PC. Maintenant, on va se retrouver sur la PS3. Donc, salut, on se retrouve sur ma PS3. Donc, maintenant, on va mettre la clé USB dans le port USB de la PS3. Donc, n'importe quel port, hein, à gauche ou à droite. Donc, vous la mettez. Ensuite, vous allez aller dans utilisateur de données de sauvegarde. Ensuite, vous allez aller dans votre clé USB. Vous prenez la sauvegarde que vous avez hackée. Donc, vous faites copier-coller. Voilà, et ensuite vous pouvez ouvrir le jeu et jouer librement sur Black Ops avec les Big XP. Donc, juste là, je ne pouvais pas me connecter, donc je suis vraiment désolé. Donc, je ferai une deuxième partie comment vous montrer aussi pour avoir level 50 direct. Enfin, si vous n'arrivez pas à m'envoyer des messages, voilà, je vous répondrai. Donc vraiment désolé pour ça. Et merci aux 92 abonnés, ça fait vraiment plaisir. pour avoir les Big XP, il faut aller dans multijoueur. Ensuite vous vous connectez normalement. Et au lieu de faire match à mort par équipe ou domination ou autre, vous allez aller dans match à mort en tactique quoi. Enfin c'est marqué tactique, vous verrez bien. Donc vous cliquez dessus et si c'est pas domination comme mode le jeu ou recherche et destruction ou autre, ben en gros faut que ce soit domination, sinon ça marche pas. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et tous ceux qui veulent jouer avec moi, j'ai mis le PSN. Enfin, vous pouvez le voir, mon PSN, je l'ai mis au début là. Donc merci à tous. Et j'ai même fait une vidéo PSN si vous voulez, je la mettrai dans les commentaires ou dans ma description, excusez-moi. Donc merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine. Salut tout le monde, bye!